C'est quoi toutes ces bougies de merde? Hier soir, j'ai maté Barry Lyndon et je me suis senti inspiré. T'es sérieux, là? Mais non, connard, j'ai plus d'électricité. Bon, il faut quoi, Francis? Quelqu'un a des nouvelles? Des nouvelles? Oui. Ça me semblait pas une question piège, hein, pourtant. Et l'un d'entre vous, c'est pourquoi il n'est pas encore là? Il a cherché à joindre l'un ou l'une d'entre vous pour prévenir qu'il serait en retard? Oh, puis vous commencez vraiment à me casser les couilles avec vos questions à la con, là! Mais oh, Gilles, détends-toi, là! Tu voulais créer une ambiance chaleureuse, c'est ça? Eh, ton frangin, il est libre. Et puis crois-moi, le peu de fois où son nom s'affiche sur mon bigorneau, je m'empresse pas de répondre. Puis j'imagine que si quelqu'un avait une info à te donner, il l'aurait déjà fait, non? Ben ouais. Ben ouais. J'adore quand vous me prenez pour un demeuré, j'adore. Bref, je m'en branle. Bon, on va commencer. T'as pas non plus que ça à foutre. Monsieur? Alfred? Je viens de recevoir ceci. Ah, merci. Ah, Alfred, vous ferez préparer la voiture, je compte sortir après. Bien, monsieur. Merci. C'est quoi ce délire? De? Ben, le gamin, là. Ouais, laisse tomber. Faisons comme ça, oui. Je vais prendre connaissance de cette missive. Une explication? Fais voir. J'ai Francis. Rendez-vous au lieu dit le Bacouillu à 16h. Sinon... C'est quoi ces conneries là? Et d'où le sens de ma question précédente? Quelqu'un s'est dit quelque chose? Il y a bien un de vous qui a dû sentir le truc venir! Mais Gilles, comment tu veux qu'on sente quoi que ce soit venir? On le voit jamais, Francis. Et à chaque fois qu'on le voit, il nous emmerde. Alors tu sais... Bien, bien, bel esprit de clan. Bon, Julien, viens me prendre cette lettre de merde et on va faire une enquête fissa, hein, parce qu'on n'a pas, tout le temps, on n'a pas de diplôme. Hein. Pardon, mais... Pourquoi on est obligé d'aller le chercher, en fait? Hein? Bon, il va peut-être se démerder tout seul. Et puis comme disait Dim, en fait, ils vont pas trop manquer, donc... C'est mon frère, connard! Que vous vouliez ou non, on le récupère, point barre! Et toi, qu'est-ce que tu penses, pauvre merde, là? Tu pourrais parler comme ça de mon frangin? Si Julien était pas là... Oh ben, faut pas que ça t'arrête, ça. Bon, ça suffit. Allez, dégagez, dégagez. Pchit! Dégagez! Ah ben, t'es temps, je commence à avoir des escarres au cul. Ben, classe. Non, reste une minute, s'il te plaît. Bon, mais il t'arrive quoi, Gilles? C'est quand même pas l'enlèvement de Francis qui te met dans cet état-là, là. T'es tendu, putain. Ah, tu trouves? Bah, disons que... J'essaie de me reprendre un peu, là, au niveau autorité. Je sens que je me suis ramolli, là, ces derniers temps, là. Ouais, peut-être, mais le gosse. C'est quoi, ce bordel? Quel gosse? Mais Alfred, ton larbin, là. Oui, monsieur. Non, monsieur. Vous voulez que je vous suce, monsieur? Ah, lui, hein. C'est important, ça? Non, mais... Bon alors, je compte sur toi pour mener à bien cette mission, là, Francis. Il a beau être un peu con comme une brouette, il sait quand même pas mal de choses sur nos petites exactions, hein. Et vu sa témérité légendaire... Tu penses qu'il pourrait tout balancer? Bon. Et bah ok, je m'en occupe. Mais alors toi, pendant ce temps, tu te fais une camomille, une verveine ou un truc dans le genre. Hein? Parce que là... Ouais, je vais faire ça. Alfred!